Cette ville du Moyen-Orient, vous la connaissez, même si vous n'y êtes jamais allé. Il s'agit de Nazareth, où naquit et vécut notre Seigneur Jésus-Christ durant 30 années, il y a de cela plus de 2000 ans. Et le film que vous allez voir commence lui aussi dans cette même ville, qui, à travers les siècles, a gravé à jamais son nom dans l'histoire du monde entier. Nous sommes le 2 août 1951. Sur la colline dominant la ville, une enfant vient de naître. Elle portera le nom de Jeannette. Venir au monde à Nazareth, est-ce une garantie de naître sous une bonne étoile? Je n'en suis pas sûr. Issue d'une famille de conditions très modestes, Jeannette en était la 9e enfant. La mère de Jeannette ne démontrait aucun amour pour son nouveau-né, refusant de s'en occuper et de veiller à son bien-être. Pour cette raison, le père de Jeannette, 28 jours après sa naissance, décida de confier leur enfant à l'orphelinat des filles de la Charité à Nazareth. C'est ainsi que le 30 août 1951, Père Valencio, dans l'esprit de Saint Vincent de Paul, quittait la maison sur la colline, un nouveau-né entre les bras. Jusqu'à l'âge de 5 ans, Jeannette vécut à Nazareth. Ensuite, pour commencer ses études, elle fut transférée à Haïfa, puis Jérusalem. Et c'est là, à l'hospice de Saint Vincent de Paul de Jérusalem, au milieu de centaines d'autres jeunes filles, issues comme elle du secteur défavorisé de la société, que Jeannette allait découvrir la méchanceté et la stupidité de l'homme. Entre Israël et la Jordanie, la guerre faisait rage. Lors des bombardements, tout Jérusalem tremblait. Et au sein de l'hospice, les jeunes filles connurent la peur. Celle qui vous dit à chaque explosion, à la prochaine bombe peut-être, tout l'édifice s'écroulera sur moi. Mais je ne veux pas mourir. Dieu de l'enfer, ô Dieu du ciel, toi qui te trouves où bon te semble, sur cette terre d'Israël, il y a des enfants qui tremblent. Inch'Allah, 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 Inch'Allah. Les palmes tombent sous l'orage, demain le sang sera lavé. La route est faite de courage, une femme pour un pavé. Mais oui, j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher. J'entends toujours ce requiem lorsque sur lui je suis penché. Requiem pour 6 millions d'âmes qui n'ont pas leur mausolée de marbre et qui, malgré le sable infâme, ont fait pousser 6 millions d'arbres. Inch'Allah. Après des années passées à Jérusalem et dans les orphelinats, Jeannette
dut retourner chez elle à Nazareth, dans sa maison sur la colline. Elle ne fut pas la bienvenue. Et si son père était heureux de la revoir et avait pour elle beaucoup d'affection, sa mère, en revanche, ne la portait pas dans son cœur. Et Jeannette en était très malheureuse. Un dimanche où, comme elle en avait l'habitude, elle voulait se rendre à la basilique de l'Annonciation pour témoigner sa foi, sa mère, avec rage et colère, s'y opposa fermement, étant persuadée que sa fille se servait de ce prétexte pour rencontrer des garçons. Et ce jour-là, elle fit comprendre définitivement à Jeannette qu'elle ne l'aimait pas et qu'elle ne l'avait jamais aimée. La patience et le moral de Jeannette étaient arrivés à bout. Elle avait l'impression de se trouver dans un carrefour sans issue. Elle comprenait qu'elle serait privée à jamais de cet amour maternel dont elle avait manqué pendant tant d'années. Pour elle, qui avait appris à aimer son prochain, vivre entre la haine des hommes et la méchanceté de sa mère n'avait désormais plus sa raison d'être. Déçue et sans espoir, le 26 septembre 1973, elle partait vers sa mission. Quelques jours après que Jeannette eut quitté son pays natal, Israël entrait en guerre contre l'Égypte. Pour Jeannette, la route vers la liberté n'allait pas être facile. Arrivée à Paris,
Son frère aîné, étudiant à plein temps, vivait dans un tout petit appartement et n'avait donc pas de place pour sa sœur. Il lui conseilla plutôt de retourner à Nazareth. Mais pour Jeannette, il n'en était pas question. Et si le destin l'avait réellement obligée à le faire, sa vie se serait arrêtée là. Une page de son existence s'était tournée et pour rien au monde, elle n'aurait accepté de revivre les souffrances morales qui lui avaient fait quitter son pays. Grâce à l'une de ses sœurs qui vivait à Vancouver, l'opportunité d'aller s'établir en Louisiane lui fut offerte. Sans hésiter, elle accepta. Ses années d'études avec les religieuses, si le climat de la Louisiane était très agréable, bien que très humide, ces gens, en revanche, n'avaient guère évolué depuis la guerre de Sécession et démontraient toujours beaucoup d'agressivité envers les étrangers. Qu'ils soient d'origine africaine, Jeannette allait très vite comprendre qu'elle ne devait compter que sur elle-même pour subvenir à ses besoins. Décidément, la chance semblait ne pas vouloir aider Jeannette. Livrée à elle-même, dans cette cité gigantesque de plus de 4 millions d'habitants, elle se sentait rejetée de la société. Comme la plupart des jeunes, elle aimait la musique et la chanson. Vers la fin des années 70, dans sa solitude, elle prit un jour un crayon, sa guitare, et composa paroles et musique de cette chanson, « L'enfant perdu ». La prochaine chanson, c'est « L'enfant perdu ». C'est numéro 16. Et puis, attends une minute. C'est elle où j'ai parlé un petit peu, où j'ai eu un petit peu la confusion pendant des années et des années, quand les gens me disent « De quelle nationalité viens-tu ?» Là, j'étais bouchée, je ne savais jamais quoi dire. Alors là, vous allez comprendre. Dans le Seigneur, j'ai trouvé la solution. Nationality, why you would have on that broad, I would have known what to say. I searched the end line to find out who I am. I get no answer for this, and I kept so this mystery. For I was born Israel, and I am not Israeli, and I was born in Palestine, yet I'm not Palestine. I lived also with the French, yet I am not a French myself, and I live here in Canada, but I don't feel like a Canadian. Who is this bad child? I may ask, it's a good child who is lost. Is he a sure boy at the moment? Is he a true black kid's child? Quand je dis « je me suis trouvée », c'est vraiment, on trouve toutes les solutions dans la Bible, dans le Seigneur. Amen. En 1978, Jeannette commença ses études en lettres françaises à l'Université de Windsor, Ontario. Durant cette période, l'Égypte signa un accord de paix avec Israël. Cette heureuse nouvelle incita Jeannette à composer l'une de ses plus belles chansons. La chanson de paix. Un an plus tard, après avoir appris par une amie que la ville d'Ottawa était une ville bilingue, elle quitta Windsor pour gagner la capitale afin de continuer ses études à l'Université d'Ottawa.
À cet endroit, elle fit la connaissance d'un franco-ontarien qui, lui, s'apprêtait à passer ses examens du barreau. Avec les années, Jeannette était devenue une jeune femme séduisante. Courtisée à maintes reprises, elle avait quand même toujours su garder sa liberté. Mais les années passaient et Jeannette désirait plus que tout fonder une famille. En 1982, elle épousa le jeune avocat. Et le 7 avril 1984, Jeannette mit au monde un petit trésor du nom de Marie-Laure. Pour Jeannette, la naissance de Marie-Laure fut le plus beau cadeau que la vie ne lui ait jamais fait. Et un mois après la naissance de leur fille, Jeannette obtenait son bac de lettres françaises à l'Université d'Ottawa. Tout semblait donc aller pour le mieux, mais hélas, chaque médaille a son revers. La jeune mère de famille dut très vite s'apercevoir que l'homme qu'elle avait épousé n'était pas réellement fait pour elle. Le nouveau père était un homme au caractère impulsif. Il maîtrisait très mal ses émotions et s'emportait fréquemment, allant même jusqu'à user de sa force. Jeannette avait à nouveau l'impression qu'elle se trouvait dans un carrefour sans issue. Elle avait donné la vie, donc elle se sentait responsable. Mais pour elle qui rêvait d'une famille heureuse et sans problème, c'était un échec total. Après le manque d'amour de sa mère, sa vie en orphelinat, le rejet de son frère, le racisme, elle découvrait maintenant l'isolement et le manque d'affection d'un mari.